en ménage, sinon que ton tête est orage et je n'ai que souci et peine. Toujours ma femme se démène et puis sa mère veut toujours avoir son monstre pour la matière. L'une crie, l'autre tremble. L'une me dit, l'autre trompette. Et par la sang qui coule à moi, je serai maître à ma maison si je m'y mets. Diable, que de paroles! Taisez-vous, ce sera plus sage! Oui, il n'y a pas la raison d'une matière à discuter, pas notre dame. Il faut obéir à sa femme comme on ne doit faire un bon mari. Si même un jour elle vous bat, vous ferez ce qu'il y faudra. Il faut agir au gré de sa femme. Oui, vraiment, quand elle vous le commande. Saint-Jean, elle recommande trop l'affaire en vérité. Eh bien, pour mieux vous en souvenir, il vous faudra prendre un mollet et construire sur un foyer tout ce qu'elle vous commandera. À cela ne tient, cela sera. Je vais commencer à écrire. Par jour, 5 ou
5 ou 6 fois, ni 2, ni 3. Non, il n'en sera rien. Puissons avoir du russe que mauvais choix. Ce païen impuissant n'a plus rien qui vaille. Ce sera écrit, puisqu'il me plaît. Dépêchez-vous et puis signez. Le voilà signé. Tenez, et prenez garde qu'il ne soit perdu, car un devrait être perdu. Dès cet instant, je me propose de ne jamais faire autre chose que